C'est la raison par laquelle je me suis intéressé aussi outre la glace, bien évidemment,
Je me suis beaucoup intéressé à l'histoire de France au XIXe siècle. Je me suis beaucoup intéressé aussi au débat intellectuel. Et puis, sans doute, je marque un peu de distance par rapport à la mission de l'historien, telle qu'elle a été conçue par Pierre Bénanaquet, parce qu'il n'hésitait pas à reprendre une formule de Chateaubriand, qui disait que l'historien est chargé de la vengeance des peuples. Selon Pierre, l'historien est un juge. Et c'est la raison pour laquelle Pierre était un historien engagé, il écrivait beaucoup de pétitions, il signait beaucoup de pétitions, mais personnellement aujourd'hui, nous sommes en 2017, et je considère que cet historien qui se charge de la vengeance des peuples n'existe pas encore. Personnellement, je ne l'ai pas encore croisé, parce que c'est une formule ambiguë, parce que chargé de la vengeance des peuples, mais quel peuple ? Les vainqueurs, les vaincus. Bien évidemment, Pierre est parti avant d'avoir lu moi un des essais. Je ne parle pas des romans, parce que les romans sont récents. Donc oui, il y avait véritablement joué ce rôle de formateur, bien évidemment, mais si vous voulez, intellectuellement, je prends distance par rapport à la mission de l'historien. Parce que c'est pertinemment que l'historien est là, de toute façon, pour restituer le passé avec les moyens du bord. Parfait. Juste quelques minutes seulement pour parler des essais. Les essais publiés, il y en a trois. La démocratie athénienne, une affaire d'oisif pour l'interrogation. Travail et participation politique au IVe siècle avant Jésus-Christ. Donc, qui est en rapport avec la thèse, qui s'inspire de la thèse. Oui, tout à fait. Ensuite, il y a l'islam confisqué, manifeste pour un sujet libéré. Et enfin, Athènes vue par Sémétèque, 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ, qui rejoint donc, la recherche sur Athènes, quoi, sur les Grecs, sur la société grecque, on va dire. C'était l'histoire grecque. Juste quelques mots sur ces essais que forcément qu'on ne connaît peut-être pas, donc on aurait envie de connaître. Oui, en fait, le premier livre, La démocratie athénienne, une affaire d'oisif, c'est autour de la question de la citoyenneté du travail. En fait, c'est le contre-pied de la thèse défendue par Platon. Platon a passé toute sa vie à dire que la politique est une science, une techné, que seule une minorité est capable de l'acquérir. Et par conséquent, ceux qui gouvernaient étaient censés détenir cette science. Donc, c'est l'anti-modèle d'Athènes, en fait, du système athénien tel qu'il fonctionne du point de vue de l'histoire. Donc, on se rend compte tout simplement qu'un citoyen, il fait de la politique, mais il travaille aussi, et surtout qu'un citoyen pauvre, hein, parce que bien évidemment, il y a des aristocrates qui ne travaillent pas. Et puis, il faut savoir aussi qu'à la suite de cette thèse platonicienne, il y a toute une pensée qui a été construite à partir de ça. Je pense particulièrement à Max Weber, qui disait de toute façon, le citoyen grec est un homo politicus par définition, donc c'est un être qui fait de la politique alors que les autres y travaillent. Voilà. Fermez la parenthèse, on passe à autre chose. S'agissant du livre, véritablement, qui a eu un très bel accueil aussi critique, un thème vu par Sémétèque, la thèse est simple, véritablement, elle est simple. C'est l'étranger, le métèque, qui fait le citoyen. Et je donne deux petites indications, en fait. Il est assez frappant qu'un des plus grands textes de la philosophie occidentale, la philosophie grecque, à savoir la République, est né chez un métèque. Il est né au Pirée, chez Képhalos. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, je vous rappelle l'épisode, c'est Socrate qui rentre du port,
Il rentre du Pérée vers, Athènes, et ce qui est Pharos en question l'aperçoit, que l'on voit ses esclaves, en lui disant, va dire à Socrate de venir. Et Socrate donc arrive, et là commence véritablement le dialogue de la République. Et au moment où Socrate pose la question au métèque, en lui disant, qu'est-ce que la justice ? Ah ben, ce dernier lui répond, je suis désolé Socrate, j'ai mieux à faire, j'ai un sacrifice à accomplir. Donc, et justement dans ce livre sur Athènes vécu par Sémétèque, je reprends aussi un dossier un peu brûlant, c'est le dernier chapitre du livre, hein. D'ailleurs intitulé « La Grèce ancienne était d'extrême droite ». Et pourquoi ces détours ? Parce que le 2 mai 1990, à l'occasion de la discussion à l'Assemblée nationale de la loi Guissot, il y avait une députée du Front National qui a véritablement fait une leçon au Instagram, en disant tout simplement que les Grecs étaient des racistes, entre guillemets, qu'il y avait une barrière à mur entre citoyens et non citoyens, donc ça reprend tout ça. Et puis, tu l'aurais deviné, l'islam confisqué manifeste par un sujet libéré, ça s'arrête sur le genre de livre qu'on écrit pour avoir la conscience tranquille. Parce qu'il y a tellement d'énormité. Et en fait, je suis parti de faire des caricatures, tout simplement, du caricature du prophète, de la question de la représentation de l'image de l'islam. Enfin, pour arriver à dire, tout simplement, ça, tout le monde le connaît, que l'islam est fondamentalement une civilisation du texte qui est écrit. Vous prenez même, je pense à Julien Gras qui le dit, enfin, dans ses chroniques littéraires, il le dit. Et puis, cher Samir, tu as oublié un livre aussi, un autre essai, qui s'appelle « Que deviendra en français accompli, oracle ». C'est aussi un livre qui a eu un bel écho aussi. Et là encore, c'est le livre qu'on écrit pour avoir la conscience tranquille autour de la question de l'intégration, parce que je suis arrivé en France en 1995, et même avec des amis qui sont toujours parisiens, on se dit, l'époque des Chirac, c'était la belle époque. Donc, nous sommes en 2017, un nouveau président, il y a tout un ministère de l'identité nationale et de l'intégration. C'est une aberration. Voilà. Et ça, c'est le livre sorti en 2011, et après c'est un basculement dans la fiction. Première question à porter sur le rapport entre les deux romans. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le premier roman et le second se déroulent dans des lieux à peu près semblables, c'est le nord-ouest de la Tunisie, et puis l'autre côté de la frontière pour le début du second roman. Les personnages, le personnage masculin, c'est le même, hein, Massif. Et on trouve également des personnages du premier roman, les sept sœurs de Massir, la mère. Ça signifie que bon, finalement, nous ne quittons pas, en quelque sorte, l'univers qui est celui du premier roman, même si le second remonte donc dans l'histoire et évoque quatre femmes. Donc quatre femmes qui sont, je dirais, l'arrière-grand-mère, la grand-mère, la mère et la fille, qui elle-même est mère des sept filles et de Massim. Pour ne pas les nommer, si elle, Gambrasina et Mabruka. D'ailleurs, le livre est organisé autour de leur nom. C'est-à-dire que des sections, une section est consacrée à chacune de ces femmes. Alors, première question, pourquoi écrivant le second roman, tu es resté un peu dans l'univers du premier. Est-ce que parce que dans le premier roman, cet univers, tu ne l'as pas exploré entièrement, est-ce parce que c'est quelque chose qui t'habite et que tu ne peux pas quitter?
Et est-ce qu'on peut s'attendre à ce que dans le troisième roman, ça devienne une trilogie, ou est-ce que tu passeras à autre chose? Je pense, oui, il y a bien évidemment un lien entre les deux, mais je pense qu'il n'est pas si frappant. Enfin, j'y vois en fait un lien, surtout. C'est le premier roman, il finit par don. Massy en question offre sa part d'héritage à ses sept sœurs. Estimons sans doute que les filles devaient hériter autant que les garçons. Donc, si dans le premier roman, les sept sœurs, les sept femmes s'emparent de l'héritage matériel, du patrimoine matériel, dans le second, dans une façon d'écriture, les femmes, les quatre femmes, s'emparent de quelque chose qui est encore plus précieux, fondamental. C'est l'histoire de l'immense pays. Donc, parce que il faut dire au public qui s'est présent, c'est le roman commence par une lettre de la mère au fils, la quatrième, Mabrouk, qui est toujours vivante, et qui a un enfant, qui a un fils bien installé à Paris, et qui a une belle carrière, et qui, au bout de 15 ans d'absence, sans nouvelles, il fait sa vie, il mandaire à Paris, il ne donne pas de nouvelles, et pendant 15 ans, et au bout de 15 ans, il rentre en silence, il envoie une lettre à sa mère, lui disant, « Chère maman, donne-moi tes archives parce que j'envisage d'écrire une biographie, ta biographie. » Et là, la mère, elle hallucine. C'est quoi ce fou? Elle entre dans une colère noire et donc elle lui écrit. Et en fait, tout le roman, c'est la lettre de la mère au fils. Elle lui dit « Maman, moi je n'offre pas mes archives, je n'offre pas ma mémoire à un enfant ingrat. » Donc, il y a. Donc, cette lettre, elle fait coup double. Elle met à l'écart ce fils ingrat et aussi elle met à l'écart l'historien. Et donc, ce qui est dit sur l'historien, c'est aussi violent, c'est aussi d'une vérité assez implacable, parce que vous imaginez Fernand Braudel se lancer dans l'histoire. Femme française silencieuse. Et plus elle avance dans sa lettre, plus elle s'adoucit. Et elle lui propose quelque chose de simple. Elle lui dit, tu romances, je te raconte tout. Et là, elle lui raconte véritablement tout, à commencer par son arrière-grand-mère à elle, qui était une esclave affranchie. Et alors, pourquoi une esclave affranchie? Elle est née en 1810. Cette dame, elle est employée dans un atelier algérois, qui s'appelle l'atelier Mansour, qui employait uniquement des femmes esclaves. Et cette dame, c'est elle qui a fabriqué le chasse-mouche des Deys d'Alger. Donc cet objet de luxe, puisque pour le Dey est considéré comme un objet de luxe, a fait basculer sa vie deux fois. Parce que quand le Dey reçoit cette offrande, il est excité comme un gamin, il dit que depuis que je le chasse-mouche, je n'ai plus de mouche qui me tourne autour. Et donc, il décide de récompenser la femme en question. Donc, il envoie son homme à tout faire. Renseignement pris, il va à l'atelier. Donc, il entre et il découvre une femme d'une beauté extraordinaire. Il lui dit, non seulement je t'affranchis, mais je t'épouse. Et là, elle prononce cette phrase. C'est la première phrase prononcée par la première femme qui est née en 1810, c'est-à-dire au début du 19e siècle. Elle lui dit « J'accepte de t'épouser à une seule condition, ne jamais me confondre avec une mouche. » Donc, sa vie bascule une première fois, mais elle va basculer une seconde fois aussi, parce que cet instrument de luxe, parce qu'il faut bien chasser les mouches, va servir malheureusement, lors d'un entretien entre le Dey d'Alger et le consul de France, Pierre Deval, fin avril 1827,
le consul de France, le dernier entretien avec le consul de France à propos de la dette française, parce que la France devait de l'argent à l'Algérie à l'époque, parce que l'Algérie fournissait du blé pour nourrir l'immense armée française. L'entretien se passe mal. Le day, enfin, je suppose que le consul de France dit, mais c'est quoi cette Turque, cet ottoman qui parle sur ce ton. Le day s'énerve et il le frappe. Sauf que, avec le chasse-mouche, le consul saigne et le day ne comprend pas. Et en fait, il découvre que le chasse-mouche a été trafiqué. Il y avait des fils de fer là-dedans. Et là, il envoie ses hommes pour arrêter Sienne, mais comme elle était bien informée, elle prend la fuite. Et en fait, tout le roman, on la suit elle, sa fille, sa petite fille et son arrière-petite fille, surtout la première qui a quitté Alger en passant par Constantine. Voilà. Donc, les deux premières femmes sont nées en Algérie et les deux dernières sont nées en Tunisie. Et j'y vois un autre lien aussi, parce que la dernière femme, Mabrouka, s'installe à la Montagne Rouge. Qui est le lieu très important, le lieu qui réunit sans doute les deux romans, que moi je considère comme mon Atlantide littéraire. Voilà. Je pense que... Donc c'est, la réponse c'est que c'est un Atlantide littéraire. Pour l'instant, oui. Là, il y a une très forte opposition dans le second roman, donc, entre je veux dire, les hommes d'un côté et les femmes de l'autre, hein, car il y a deux univers différents, et il y a aussi une autre opposition sur laquelle on repose en quelque sorte le roman, qui est l'opposition entre l'écriture, hein, et puis, je dirais, la parole ou le silence, hein, la parole mangée. La mère est celle qui mange sa parole. Et effectivement, donc, c'est une lettre de la mère, mais on ne sait pas comment une femme sans écriture envoie une lettre. En fait, donc, c'est quelque chose qui est très oral. Quand on lit, il y a au niveau du style une recherche de l'oralité, etc. Ma question sur cet aspect, c'est est-ce que le roman n'a pas aussi, au-delà de l'histoire qu'il raconte, qui est truculente, qui est intéressante, qui est un peu picaresque, je dirais, hein, bon, on y reviendra tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas également quelque chose qui ressemble à l'essai, à la réflexion, c'est-à-dire à une méditation, je dirais, sur les femmes, enfin, sur la femme, hein, sur la féminité opposée à la masculinité, et sur d'autres aspects. De l'essai, non, mais je pense qu'il y a. On me dit que la quatrième, la mère de l'historien Mabrouka, elle est trop violente. Je pense qu'elle est. Non, enfin, je. Y a, c'est une violence qui. Incarne une certaine beauté. C'est sans doute elle la plus mystérieuse, parce que c'est une femme qui mange son verbe. Alors elle mange son verbe, donc elle mange son verbe, en fait elle dit « Moi je ne parle pas aux hommes, je préserve mon verbe pour la grande explication, parce que elle a l'ambition, avec Dieu, donc, elle a l'ambition justement d'avoir une conversation horizontale, sans concession, avec son créateur. Et je pense que, oui, enfin, ça pose la question des silences. C'est une vraie question philosophique. C'est sans doute là où il y aurait une pensée. Sinon, j'y vois pas véritablement l'aspect essai. C'est véritablement elle qui. Et peut-être que le mot essai n'est pas le bon mot. Ce que je veux dire, c'est que le roman n'est pas uniquement un récit. Il y a aussi quelque chose qui tient de la méditation, de la réflexion, disons quelque chose qui est une sorte de philosophie de la vie, de philosophie, de méditation, notamment sur la question de la féminité et de la masculinité. Oui, il y a ça, parce que il y a sans doute ça, mais ces femmes ne sont jamais,
n'œuvrent pas par opposition aux hommes. C'est ça qui est intéressant. Ce sont des femmes qui composent avec ou sans les hommes, jamais contre. Et c'est la raison pour laquelle moi, je les considère comme des féministes primitives, c'est-à-dire des féministes d'avant la naissance de la pensée féministe. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que chacune d'entre elles a fait quelque chose. La première a fondé la cité des femmes affranchies ou tarsiques de l'Est algérien. La seconde a été prise en otage pendant 17 ans, c'est-à-dire pendant 17 ans, elle a consacré, enfin 17 ans de sa vie, pour restaurer des manuscrits, pour faire des choses. Et puis, il y a une mallette aussi qui se transmet de femme en femme, qui active dans la mallette. Il faut les avoir pour le savoir. Et il y a autre chose aussi, c'est-à-dire que quand vous écrivez un roman sur quatre générations de femmes pendant deux siècles, il y a énormément de pièges. Ça fait deux fois 100 ans de ce que je veux dire. Il y a énormément de pièges. Il y a énormément de pièges où on opte pour la facilité, on fait tout pour être à la hauteur de cette grâce. Parce qu'il faut savoir aussi qu'en 350 pages, on ne sait pas, et c'est ça aussi, c'est un défi aussi littéraire aussi, on ne sait pas comment ces femmes s'habillent. Quelle habit portée, on ne sait pas. Il n'y a aucune indication vestimentaire. Et ça, c'est un parti pris. Je me suis dit, je veux écrire sur quatre générations de femmes, du début du 19e jusqu'à aujourd'hui, sans toucher à la question du vêtement. Parce que, vous savez, parce que ces femmes avaient autre chose. Parce que ces femmes avaient une grâce incarnée par leur âme, par leur génie. Et sans doute, et là je pense qu'on va montrer, c'est un parti pris par rapport à une certaine littérature, que ce soit d'aujourd'hui ou même du 19e siècle. C'est un parti pris par rapport à la représentation orientaliste, etc. etc. Donc, et après tout, ça reste une fiction aussi. Mais ce que l'on remarque quand même, c'est qu'il y a quatre sections, dont la prophétie est à chaque fois assumée par une femme d'une génération. Et que ces femmes, donc elles ont, je dirais, la même obstination, le même attachement donc à ce qu'elles font, etc. La même volonté de sauver l'essentiel, la famille, le patrimoine, quand c'est un patrimoine d'ailleurs qui se perd souvent dans le texte, hein, parce qu'elles se déplacent, enfin, et puis elles connaissent des péripéties innombrables. Souvent d'ailleurs plutôt difficiles pour elles, etc. Elles ont quelque chose de commun, mais en même temps elles sont assez différentes. Effectivement, parce que, effectivement, Marouka, par exemple, elle est dans un dialogue constant avec son fils. Hein. Le fils apparaît plus de, à la fin, quoi, je veux dire, la notion de fils, je dirais plus, même que ce fils-là, parce qu'il n'y avait aucune raison qu'il apparaisse avant. Mais les hommes jouent un rôle, moi j'ai trouvé très secondaire. On pourrait presque se passer des hommes. Bien sûr, on compose avec, ils sont là, inévitables, etc. Mais j'ai l'impression que le livre est admis de nos femmes. Il me semble. Absolument. Comme ça. Absolument, oui. Absolument, c'est un roman de femmes, enfin, un roman féminin, oui, absolument. Et pour un romancier, donc, prendre la parole en incarnant en quelque sorte, en se mettant dans la peau d'une femme, c'est facile, c'est faisable, c'est intéressant. Eh bien, je peux vous dire que les premières réactions sont plutôt. Enfin, les gens sont surpris, les critiques. Ils s'attendaient à une femme, s'attendaient à ce que l'auteur soit une femme, mais je ne sais pas. Je ne suis pas une. Voilà.
Mais c'est un hommage, oui, bien évidemment, c'est un hommage à la mère, c'est aussi un... Je pense aussi que, pour parler de moi, je pense aussi que sans l'apport, sans cette lumière dégagée par ma mère, ma grand-mère, ma tante, la voisine, tout cet univers féminin, je n'aurais pas pu écrire ça. Bien évidemment, mais c'est un hommage, avec un H majuscule, à la mère. Donc, une femme sans écriture est la condition pour écrire. Oui, mais en fait, une femme, j'aurais pu l'appeler une femme sans archive, en fait. Une femme sans écriture, en fait, c'est une femme sans texte écrit. Ça ne veut pas dire que c'est une analphabète. Oui, oui, parce que... parce qu'il n'y a pas que d'oralité là-dedans. Enfin, non, elles ne sont pas analphabètes, une femme. Non, non, absolument pas. Parce qu'il y a aussi... Parce que la dernière, Mabrouk, elle a aussi un métier, voire deux. Elle enseignait la fille, elle était aussi restauratrice de mosaïques. Il y a tout un épisode de roman sur la restauration de la dame de Carthage, qui n'est pas très loin d'ici d'ailleurs. Au musée de Carthage, il y a cette mosaïque de la dame de Carthage, elle m'a toujours intrigué cette mosaïque. Si vous remarquez la mosaïque, si vous asseyez vraiment bien devant pendant un moment, vous allez remarquer que cette belle femme, elle a un beau visage. Elle porte un habit d'homme. Son drapé, c'est un drapé masculin. La dame de Carthage, c'est un habit d'homme. Donc le commanditaire dans le roman vient la voir en lui disant, voilà, tu vas ressortir toute sa féminité, tu vas la recoiffer autrement, tu vas lui donner une autre robe. Alors on m'a posé des questions. Est-ce que c'est un clin d'œil à la Tunisie d'aujourd'hui pour refaire la dame de Carthage? Je ne sais rien. Voilà. Bien, on va peut-être passer la parole à la salle. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Simonie. Est-ce qu'il y a un promenadeur ou quelque chose? Ou alors il faut te forcer à parler fort. Donc, excusez si je dis des choses qui ne sont pas tout à fait adéquates, mais il faut bien animer le débat. Donc, d'abord, ce que je constate, c'est que, surtout d'après nous avons entendu l'aperçu sur l'évolution scientifique de M. Sade, donc il y a un passage, une sorte de transition de l'historien d'Alain, le créateur littéraire, le romancier. Et cette impression, elle se renforce en lisant le roman. Le roman est bel et dans l'histoire. Et on dirait qu'il y a eu un besoin à M. Sade de raconter sa propre histoire. Ça ne se fait pas dans la discipline de l'histoire, mais dans la littérature, c'est faisable. Donc, en tant que lecteur, j'ai été dérouté un peu entre l'histoire et la réalité narrative, la réalité littéraire. Et des fois, j'ai eu enfin des sentiments, des impressions d'invraisemblance. Je sais que le romancier, il a des libertés, mais des fois, il y a des invraisemblances. C'est peut-être que c'est aussi un soupçon où je peux me tromper, que le roman, il est d'abord adressé au lecteur français, au lecteur européen, que selon la biographie
le romancier, c'est un Nord-Africain, c'est un Maghrébin qui est allé vivre en Europe. Il s'est découvert, heureusement, un don d'écrire. Mais, donc, il se trouve dans un autre milieu, dans un milieu autre, et face à un public autre. Est-ce que ça a joué un rôle, effectivement, et sincèrement, je sais que c'est difficile d'en parler à un auteur, il veut que la littérature soit la littérature, mais il y a quelque chose qui dérange, et je l'ai exprimé ainsi. Il y a autre chose, j'ai reproché à l'auteur d'avoir choisi le nom de Buckley comme nom du premier mari de Sirène. Pourquoi? Parce que Sean Bay, c'est vrai, des Pierre de Val, c'est vrai, mais Buckley à l'époque, il a joué un rôle dans ces transactions de Sean Bay avec la France pour le blé, mais c'était un juif. C'était un juif, et je ne sais pas si l'auteur a oublié ça, ou bien est-ce que c'est fait exprès d'avoir choisi le nom de Buckley. Oui. Oui, peut-être que j'avais la parole à Cissa, peut-être pour répondre. Première chose, ce n'est absolument pas ma propre histoire. Voilà. Après, c'est oui, c'est un hommage à ma mère, à toutes les mères, mais après, ce n'est absolument pas ma propre histoire. Deuxième chose, quand j'ai dit. C'est votre histoire. Non, c'est pas ma propre histoire. Non. Deuxième chose, quand j'écris, je ne pense pas au lecteur, par exemple. Bon, absolument pas. Et d'ailleurs, ce n'est pas un roman parisien. Et d'ailleurs, c'est un roman qui a dérouté pas mal de critiques. Parce que ça a été classé dans le genre de roman classique, mais vraiment hyper classique, qui s'inscrit dans une tradition espagnole, d'autres dans une tradition 18e, d'autres dans le roman pieux. Non, absolument pas. Je ne suis pas. Je ne me retransforme pas parce que je suis à Paris. Je ne veux pas m'inventer un autre être parce que je suis à Paris. Je peux vous dire que quand j'écris, je ne pense ni au lecteur, ni à Camus, ni à Cyril. Quand je crie, je pense à la phrase. Quand j'écris, ce que j'ai envie de faire, c'est de faire avancer ma phrase, c'est la cadence, etc., etc. Ce n'est absolument pas un livre d'histoire, parce que je sais ce que c'est écrire une histoire, et je sais aussi ce que c'est écrire un roman. Donc, je ne suis pas dans une stratégie littéraire. L'écriture est une espèce de transe, c'est ça. Et je crois que j'ai cette écriture-là parce que je suis en transe. Je crois que j'ai dû écrire Une femme sans écriture parce que j'étais possédé par elle. Ce qui m'a animé dans l'écriture de ce roman, c'est l'amour que j'ai eu pour ces femmes. Je les ai aimées, ces femmes. Moi, je les appelle mes quatre femmes. N'y voyez pas une envie soudaine de polygamie, mais plutôt un désir littéraire. Donc, je pense que je ne me classe pas dans la catégorie du roman maghrébin qui est dessiné à Paris. Et d'ailleurs, c'est important, c'est ce que vous dites. D'ailleurs, aux Parisiens qui disent que je suis francophone, j'ai dit non, je ne suis pas francophone. La littérature, la francophonie, pour moi, c'est la zone, c'est l'au-delà du périphérique. Non, enfin, c'est la littérature française. D'ailleurs, je préfère
la francophilie que la francophonie. Et puis, voilà, je pense pas. Vous voulez savoir mes modèles, c'est. Moi, je suis un homme archaïque, je suis dans la tradition littéraire française. C'est Bossuet qui m'intéresse, c'est Rabelais, voilà. Et puis, je ne suis pas là pour peindre la société d'origine. Parce qu'il y a des Parisiens qui ont hâte de cette peinture-là. Le fait de ne pas représenter ces femmes par le vêtement, le fait qu'il n'y a aucune indication vestimentaire, ça dit tout. Ça dit tout. Qu'elle porte un pantalon, une robe, ou je ne sais pas quoi, c'est pas ça. La littérature, c'est pas ça. Et d'ailleurs, il y a un moment aussi. Je pense que vous l'avez pas lu, après c'est votre droit aussi. Il y a un moment dans le roman, la première, c'est elle, qui, en fait, qui fonde la cité des femmes affranchies au Tarsis de l'Est algérien. C'est une institution assez courue, assez chic. Il y a un épisode, c'est véritablement trois phrases. Il y a un peintre occidental, on ne sait pas, italien ou français, qui s'installe au restaurant et au lieu de commander à manger, il ouvre, il commence à déballer son matériel, il commence à peindre. Et les femmes le mettent dehors, sortez d'ici. Vous ne pouvez pas nous peindre sans avoir goûté à notre nourriture. Et ces deux phrases-là disent tout. J'ai été aussi étonné par les propos de Mabouka, c'est la mère. Au début, je la vois comme un spectre face à ce fils, pour elle, ingrat, qui est parti après 15 ans. Il se manifeste pour demander quelque chose d'anodin, selon elle. Elle dit qu'elle est une femme sans écriture, qui mange le verbe. Peut-être que j'ai mal compris cette métaphore, mais vous avez peut-être rapproché en disant qu'il y a le silence, le mutisme. Donc, normalement, elle devrait être silencieuse, mais à ce propos, elle est très volubile. Elle parle beaucoup et des fois elle dit des choses qu'on imagine mal de la bouche d'une mère maghrébine. Elle parle de Al-Mahari, le don arabe, donc une très érudite, du Jahr, de la Fontaine, etc. Ça dérange un peu le lecteur, mais l'auteur a ses raisons, peut-être qu'il pourrait expliquer. Et en plus de ça, elle est des fois très explicite lorsqu'elle parle de l'intimité, même sexuelle, par exemple, lorsqu'elle s'épile l'intimité, et elle utilise même le mot vulgaire chez nous pour le sexe, que ce soit mâle ou autre. Oui, comment expliquer ça? Donc, vous pensez que la femme maghrébine est une inculte, c'est ça? Et pas son fils. Pardon? Pas son fils. Non, en fait, Non, mais attendez, je pense qu'on parle pas de la même chose. Hein. Je suis désolé, je suis pas un sociologue, moi. Je veux dire, voilà, j'ai pas écrit un livre de sociologie. Oui, enfin. Si vous voulez parler de la réalité, il y a des femmes cultivées, il y a des femmes savantes, oui, enfin, que ça vous dérange ou pas, il y a des femmes maghrébines savantes, oui, enfin, il y a des femmes qui connaissent le Mahari, il y a des femmes qui connaissent le Jahr, il y a des femmes qui connaissent la Fontaine, oui, enfin, voilà. Après, elle est bavarde, vous n'avez pas compris pourquoi elle est bavarde. Vous n'avez pas compris pourquoi elle s'est mise à parler, sa mère. Elle s'est mise à parler pour l'empêcher de commettre l'irréparable. Voilà, c'est simple. Je vous lis le roman.
Elle a parlé, son verbe jaillit, d'ailleurs c'est un jaillissement, son verbe jaillit. En fait, elle rend cette promesse, donc elle rend cette promesse, parler à Dieu pour empêcher l'irréparable. Donc c'est quoi l'irréparable? C'est le fait qu'un historien, son fils d'accord, son part de sa mémoire, parce qu'il y a un parti pris aussi à l'égard de l'histoire, de l'historien, parce qu'un historien, elle considère qu'un historien joue avec la mémoire, elle considère qu'un historien joue avec le passé, parce qu'elle considère qu'un historien peut être révisionniste, parce qu'elle considère qu'un historien peut être négationniste, etc., etc. Voilà, c'est, elle est bavarde, bien sûr qu'elle est bavarde, elle est bavarde, elle a rompu une séance pour empêcher un crime intellectuel, appelé comme ça, par exemple. Pour empêcher que son fils Saint-Grat écrive sa biographie, lui. Parce que lui, en l'occurrence, c'est un vrai parisien. Lui, il s'adresse au un public parisien, parce qu'il a envie de dessiner cette figure de la mère. Qui subit les événements. Voilà. Il y a un aspect romantique d'aventure, c'est le passant dans le livre. Tout à l'heure, tu as parlé de critiques qui auraient vu quelque chose d'espagnol, en fait, dans C'est le plus paresse, quoi. Il y a une série d'événements qui se succèdent, il y a des sociétés qui se forment, oui, secrètes, oui. Même. Bien sûr, oui, parce que ce qui est dérangeant quand on parle du roman, c'est d'oublier l'écriture, mais de faire attention au sujet. Si on s'intéresse au sujet, il y a des livres de sociologie, il y a des livres de psychologie, des livres de psychanalyse, il y a des livres d'historiens, il y a des livres de philosophes. Je pense, pour l'abord, car c'est d'abord l'écriture, c'est d'abord. C'est d'abord une cadence, un rythme, une danse. Bien évidemment, il y a toujours une histoire. Mais moi, je ne suis pas là pour décrire la société maghrébine, le tunisien, le lecteur parisien. Je m'en fiche parce qu'il y a des films pour ça. Il y a des bouquins de sociologie pour ça. Il y a des photos pour ça. Voilà. Et moi, mon rôle, c'est pas ça. Je ne vais pas perdre mon temps. Après, je ne vais pas perdre mon temps pour. Ces lecteurs parisiens ou européens, il n'a qu'à faire un voyage, il n'a qu'à acheter un billet d'avion, aller retour, il se balader, et comme ça il va avoir une idée sur la société d'origine. Il y a tout ça, oui, il y a tout ça.
y a aussi autre chose, mais il y a ça qui est intéressant, ça a été vu tout de suite par les critiques. Il n'y a pas de frontière dans ce monde. Il n'y a pas de frontière. Il n'y a pas d'un côté l'Algérie, de l'autre la Tunisie. C'est un seul pays. Et là encore, c'est un parti pris. C'est un parti pris parce que les frontières sont factices, parce que les frontières sont récentes, parce que les frontières, c'est une affaire de l'Empire, voilà, tout simplement. Et dans cette marche vers l'Est, ces femmes ont dû se débrouiller, ont dû user de ruses, etc. Et c'est peut-être c'est ce qui a fait dire ou l'a évoqué le picaresque. Et là, dans la tradition du picaresque, l'original, c'est maintenant des femmes qui font l'aventure, qui se débrouillent, etc. Marianne. Moi, c'est très simple. J'espère que le public aussi écoutait un passage, si vous pouvez nous lire un passage de votre texte. Vous savez. Oui, je suis un piètre lecteur, mais je suis un piètre lecteur à voix haute, mais je vais essayer.
J'ai préféré faire manger mon verbe, ton père, mon mari, au lieu de lui causer. Je te connais de réputation. On me dit des choses de toi. Tu te dis, en faisant manger son verbe à mon père, ma mère, s'est contenté d'entretenir le malentendu et le silence. Va pour le malentendu, je te le confie. Quant au silence, je le garde pour moi. C'est ma langue universelle à moi. C'est un bien que nous, les femmes de notre pays, préservons jalousement dans notre âme, cette merveille cachée entre le cœur et l'estomac. Et je peux te dire que nous en sommes fiers. Est-ce que tu comprends cette langue universelle? Oui, universelle, pas l'universel récent, destiné aux pauvres. Au nom de Dieu, l'universel, là, je ne vise pas les pauvres qui ont du mal avec leur faim de moi. Je cible plutôt les crétins, tous ces êtres ravis de placer les mots universels dans leur conversation quotidienne. Je te parle de l'autre, oui, de l'autre, celui qui résiste au temps, au contexte, à l'événement, aux guerres et à l'avenir, l'enfant du commencement, la vérité qui détrône la trahison des hommes. Tu ne vois toujours pas? Fais un effort. Tu es peut-être assis en ce moment à côté d'une femme qui mange son verbe. Il y a sans doute quelque part, au pays de ton exil, à Paris, à Tremblay en France, ou à Roubaix, des femmes qui traversent la vie, reçoivent des coups, font des enfants, n'ont aucun plaisir à partager leur lit, mangent le tout dans une économie de mots vertigineuse, un silence absolu. Tu ne saisis toujours pas? Lève la tête. Regarde en face de toi. Regarde autour de toi. Tu n'as pas le temps, je le comprends. Tu es mon fils. Ma faiblesse est ma perte. Je vais tenter de rattraper le coup. Je viens vers toi. J'arrive. Je vais te prendre par la main. Toi qui as une foi inébranlable dont ta bibliothèque et tes sources. J'arrive pour dépoussiérer un livre, le sortir des rimes et l'ouvrir là où il faut. وانتقل لكتابة
بس انا سؤالي ليك المؤرخ ممكنش يكون اكثر صدق في كتابته للروايه هذه الاولى. السؤال الثاني انا كي بارلو دي فام رجل يتحدث عن المرأة نحب نسألك عن مصداقية. هل انك تصف عالم المرأة كما وصفها طه حديد او كما وصفها قاسم حميد؟ لان الرجل عندما يتحدث عن المرأة فانه يصفها كآخر، كأنه يصف فرقة، كأنه يصف جنس، فئة من المجتمع، كأنه يصف أمرا ما. أنا أعتقد أن الذي يتحدث عن المرأة هي المرأة لأنها تفهم وتعرف بأكثر عمق ما معنى المرأة. أنا حاجة أخرى أستاذ صابر، أنا أعجبني فيك كونك جديد من 1810 وتقدمت تلك المرأة من مدينة إلى مدينة أخرى، وهي مناطق يا إما في العاصمة يا إما في مناطق جبلية ريفية أساسا. سابقا الفرنسيون كتبوا كثيرا حول المرأة في هذه المناطق، وصفوها، كتبوا حول ظروفها، وخلفوا لنا مجموعة من الصور. الصور منذ 1910 وقبل 1910 نعرف بالضبط المرأة الريفية ماذا كانت، كيف كانت، إلى غير ذلك. أنا نحب نسأل بصراحة، الرومانسي الإستوني التونسي كي يكري اللغة الفرنسية، ما إضافتك للثقافة الفرنسية ككل؟ وأنا على فكرة أنا صفقت تكتب روايته باللغه الفرنسيه وانت تونسي وتفتخر بجذورك وتفتخر بمنطقتك، اكيد انا كتونسي نسال انا ما هي الاضافات. انا نسال على تراس دو ست سوسيتي فرونسيز. سؤالي الاعمق يا سي سامر، المراه في عيون الفرنسيين في القرن التاسع عشر، واضح؟ المراه في عيون الفرنسيين من كتاب ومن صحفيين، والمرأة في عيونك أنت. أنت سميتها سهاب، الفرنسيس عادة من صحفيين وكتاب يسموها فاطمة ولا فاطمة، لو نوم دو توت لي تونيزيان سي فاطمة، فاطمة، خديجة، إكسيتيرا. تلك المرأة أو السبعة نساء في عيونك أنت. الأربعة في عيونك أنت باش تختلف عن الواحدة تلك في عيون الفرنسيين. أنا نحب نعرف هذه السيارة وأنت تعيش وتقري هذا. أنا كتونسي نعرف أني مضعف باش نبحث في التونسيين في عيون الفرنسيين، خاصة في القرن التاسع عشر الفكر اللي كان موجود. نحب نستفادوا منك ونعاود نشكرك ومضر بينا تكثف بالزيارات نتاعك وتكمل في الرومان. في الرومان مع الاقتراب نوعا ما من كتاب الروايه الافارقه اللي كتبوا حول الصين والنار الشمال والجنوب وثم روايات، يعني هذا طلب وان شاء الله نسمع الاجابه. شكرا استاذ
Tu parles bien évidemment de la dette, de tous ces trésors. Moi j'ai un ami à Paris qui écrit en arabe. Il écrit merveilleusement bien. Donc il faut en écarter la question d'identité. Et s'agissant du rapport à l'autre, c'est une question aussi que j'ai résolue à ma manière, selon une maxime simple, selon une pensée simple. Dis-moi ce que tu penses de l'autre, et je te dirai qui tu es. C'est simple. C'est simple. Maintenant, je pense qu'il y a deux êtres qui sortent grandir de son rang. C'est le pays, l'immense pays, la patrie. Tout à l'heure, je parlais de Montagne Blanche comme un grand guide littéraire. C'est ce pays-là qui sort, grandit. Au point qu'un, je l'avais déjà dit, qu'un grand photographe a décidé, à la suite de la lecture des deux, hein, vraiment un grand photographe, de venir photographier toute cette région. Après, je ne vais pas rentrer dans. Je sais que moi, je suis originaire de là-bas. C'est un beau pays, c'est un immense pays. L'autre être qui s'en grandit de ce moment, c'est ces femmes qui incarnent la vérité. Pour moi, c'est un quart de vérité. Maintenant, est-ce que. Quel est mon apport à la culture française? Moi, j'en sais rien, c'est pas à moi de vous poser des questions. Et puis, je n'ai pas l'habitude de me balader avec mon dossier de presse, le dossier de presse du roman. Mais je me rappelle d'un des meilleurs papiers écrits, le type avait dit, voilà, ce roman ressemble à Fanny. Nous n'avons pas l'habitude de lire ce roman d'une ambition folle. Maintenant, je pense qu'il faut continuer d'écrire. Et je te promets, voilà. Donc le troisième en chantier. Et puis l'historien et le romancier, c'est autre chose qui me caractérise aussi. Contrairement à beaucoup de romanciers, je ne pense pas. Pour moi, l'historien, ça y est, il y a clairement une mise à mort de l'historien. Dans son roman, c'est clair, c'est net, il y a une mise à mort de l'historien. Un peu qu'elle compare au poète, dans le roman, à plusieurs reprises, elle dit que. Oui. Elle est pour le poète, elle n'est pas pour l'histoire. Oui, parce qu'elle dit que simplement c'est quelque chose de vrai, elle dit que le silence des femmes, seuls deux êtres peuvent s'en saisir, c'est le poète, d'abord, et à la limite le philosophe. À la limite le philosophe. Parce que. Il faut dire aussi manger son verbe, le silence, etc. Très bien, manger son verbe, c'est le silence, mais ce n'est pas le silence subi. C'est pas le silence subi. Manger son verbe, c'est une forme de résistance. C'est une forme d'être là au monde, pour reprendre une formule de Heidegger, d'être là au monde, c'est une forme de résistance. Et puis, dans un monde où la parole est partout, enfin, parler, pourquoi dire ? Parler, pourquoi dire ? Parler, pourquoi dire ? Parler, pourquoi dire ? Pourquoi dire ? En plus, la façon dont on se parle plus aujourd'hui, on ne se parle plus aujourd'hui. Absolument pas. Absolument pas. J'ai déjeuné il y a deux jours d'Inde, je descends, il y a deux commerçants qui font face, deux copains visiblement, qui discutent entre eux. L'un de deux dit à son copain, mais Habit Nakima, Habit Narchobera. Facebook j'ai voulu discuter avec toi hier, mais pourquoi t'as pas ouvert ton Facebook? C'est ça, pareil. Donc c'est. Oui, parler, pourquoi dire? Parler, pourquoi dire? Il faut savoir aussi qu'il y a. Oui, il y a toute une tradition philosophique aussi, c'est ça aussi qui m'anime. Bien évidemment. J'ai un. Parce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de choses dans le roman, je pense qu'il y a deux critiques qui ont aussi vu toute la culture classique, une sorte d'écriture mésopotamienne, aussi grecque, il y a ça aussi, parce que je suis fait de ça aussi, une question de malédiction, il y a tout cet héritage mésopotamien aussi, grec,
L'historien, ça va être joli aujourd'hui, ça va être précieux. Enfin, l'historien, oui, ça m'aide, l'histoire, ça m'aide. Parce que quand on nous parle de l'Empire, je sais ce que c'est. Quand on parle des démocraties, je sais ce que c'est. Je sais véritablement ce que c'est. Donc on ne peut pas la faire envers, j'ai envie de dire vulgairement. Quand on parle de laïcité, je sais ce que c'est. Quand on parle de république, je sais ce que c'est. Quand on me parle de l'évêque, je sais ce que c'est. Donc je suis à l'aise avec ce genre de choses. Quand on me parle de l'islam, je sais ce que c'est. Quand on me parle de voile islamique, j'ai dit « Oh, arrêtez, c'est une bêtise, c'est du n'importe quoi, c'est une imposture, parce que ça n'existe pas. » Parce que le voile, c'est là qu'il faut savoir, le voile a fonctionné dans les sociétés anciennes comme un élément de discrimination entre femmes libres et esclaves. Parce que la femme libre, quand elle sort dans l'espace public, elle porte un voile. C'est comme ça. C'est comme ça, en Grèce et à Rome. Parce que, aussi, parce que c'est l'histoire, Tertullien, un des premiers auteurs chrétiens, a écrit un livre qui s'appelle Le voile des vierges, etc., etc. Et parce que, aussi, si tu remontes encore plus loin, dans la société mésopotamienne, tu vas voir à quoi sert le niqab. Ah oui, dans la société mésopotamienne, il faut aller voir. Il faut aller voir à quoi ça sert. À quoi ça sert? Je te dirai. Est-ce qu'il y a donc, oui, madame, juste encore vous et vous et madame, oui, allez-y. Merci. Après, on va s'arrêter. Non, je n'ai pas le moment. Il faut le lire, évidemment. C'est juste. Il y a un livret, il est là. Pardon. Mais c'est. Moi, contrairement à monsieur, je trouve que déjà écrire dans une autre langue que la langue maternelle est déjà quelque chose de vraiment très, très, très bien. Parce que, au contraire, et qu'est-ce que les orientalistes on a connu, mais moi, qu'est-ce que j'aimerais écrire à des Français qui écrivent en arabe, par exemple, ou écrire. Donc, au contraire. Moi, je trouve que le Tunisien est un polyglotte, et le Tunisien est ouvert à tout le monde, donc il écrit en allemand, et moi j'ai des amis qui apprécient le français, qui me demandent des références d'écriture de romans ou de livres écrits par des Tunisiens qui apprécient, donc c'est un avis contrairement. Je vous ai dit, je n'ai pas lu le livre, mais dans mon enfance, j'ai lu Guy Descartes et les sept femmes. Non, et ça s'est resté dans ma mémoire. Et en général, c'est bien, c'est une impression personnelle, mais je ne sais pas si ça va vous confirmer. En général, quand on écrit un roman ou un livre sur une femme, c'est pour mettre la lumière sur des points sombres, ou sur une conjoncture, sur une situation économique. C'est pour aider en général, on le fait. Dans votre roman, est-ce que vous avez mis le doigt sur conditions féminines bien précises ou quelque chose qui un peu alerte le lecteur ou l'opinion publique sur ça? Merci. Je pense qu'il y a. Vous avez raison de poser des questions, même si le roman n'est absolument pas politique. Mais je me suis rendu compte avec cette distance, parce que je commençais à lire, enfin, je l'ai pratiquement oublié, sans avoir le suivi l'an prochain. Ce livre est traversé par cette idée d'archaïsme. Je pense que plus on se rend compte que plus on s'éloigne de cette histoire lointaine, la situation se dégrade. On a l'impression que la femme au début du 19e siècle, elle est beaucoup plus proche d'un modèle éclairé que la femme d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux dire? Plus on avance dans le temps, plus les choses se dégradent. C'est peut-être une impression. Mais moi, ce qui m'attriste, là je quitte le roman en tout cas,